Attends, j'ai pas entendu. Eh bien, j'étais en train de faire une salade et subitement, bon, le gros boom, la maison s'est déplacée de 1 mètre de chaque côté. À premier abord, j'ai cru que c'était le gaz qui avait explosé, ou la chaudière. Bon, je suis vite couru pour voir un peu de partout. Bon, il y a des tuyaux qui ont dû se débrancher dans la secousse parce qu'il y a de l'eau qui coule au sous-sol. Et bon, j'en savais pas plus jusque-là. Ah, ça fait plusieurs années que je rénove cette maison et je vais avoir beaucoup de travaux à refaire, à reprendre au départ, quoi. Parce que là, j'ai de grosses fissures dans les angles. Les pompiers sont passés à peu près partout, continuent leur recherche de dégâts. Et pour l'instant, on estime entre 200 et 250 habitations qui sont endommagées. Endommagées au point probablement de ne pas pouvoir y séjourner ce soir. Donc on ouvre 3 gymnases pour héberger les gens et les nourrir jusqu'à demain matin.